De nombreux pays africains sont très riches en ressources naturelles. Leur sous-sol attire les sociétés. L'élite locale s'enrichit, la population reste pauvre. Les ressources naturelles deviennent une malédiction. Des pays entiers sont contaminés par la corruption et les conflits. Et l'essentiel des profits s'envole ailleurs. Par exemple, vers la première place mondiale du négoce des matières premières, la Suisse. Pour que les pays producteurs touchent une part équitable de la rente des matières premières, il faut établir une autorité fédérale de surveillance. Le secteur financier à la FINMA. Le secteur des matières premières a besoin de l'aroma. C'est ce que nous demandons aujourd'hui aux autorités suisses.